Immédiatement après au final arrêté Lescaut et fait le prisonnier dans le manoir des Lauriers, il était formé pour diriger le pays à un comité exécutif militaire qui dégagne un colonel Franck Laveau président, major Antoine Levelt et major Paul Magloire membre. Porte prison était l'ouvri et ont été libérés tout prisonnier politique. Peuple souverain prend la rue et ont talpillé magasin tech arabe et déchouqué caille plusieurs gros autobrés qui tapent service au gouvernement Lescaut. Comme sous Lescaut pas de affaires carnaval, là même dans tout pays, à bon à pied prend la rue et musiciens tombés composés chantés pour salamber Lescaut. En pile politiciens qui t'habillent dans le campé loin courir entre Port-au-Prince. Pour seul mois janvier 1946, plus passé 12 partis politiques déformés et gain plusieurs leaders noirs qui déposaient candidature à la présidence. Dans temps ça, il n'y a pas de pays en travailleur plus passé 6 goudins, qui veut dire goudin et demi, pour une journée de travail qui était commencé à 6h du matin pour le finir jusqu'à 6h du soir. Là même, syndicat blahi et tout est campé pour faire revendication travailleurs au passé. C'est comme ça, c'est grève après grève qui est organisée sous Fort-au-Prince et dans gros compagnies tant pour Asco, éclairage électrique, Chada et plantation dauphin. Laisse ça, si monsieur journal là où je suis campé, il dit que c'est yo qui te déclenche une révolution communiste qui t'a jeté l'Esco. Leader noir yo même pour bon pas yo, il déclaré que la révolution de 46 sont révolution noiriste liée et que c'est yo les authentiques. Les intellectuels noirs qui savaient, c'est Yopounier qui prend le bon pouvoir et dirige le pays. Qui donc? Puisque colonel Franck Laveau et major Antoine Levelt, c'est mon clair Yoteye, ils étaient obligés de mettre Koyo un peu sous-côté. Et mon qui vraiment a dirigé le pays, c'était major Paul Magloire qui est en noir. Cependant, d'après l'histoire, à pas Daniel Fignolet qui à distance te permettre quelques partisans de participer, ni Dumas ses estimés, ni Paul Magloire, ni François Duvalier, pas yon, dans trois pi grands bénéficiaires mouvement 46, yon te là. Les petits messieurs journal la rue chaud, te fait élève l'école, ensemble avec étudiants, prend la rue, pour lancer une date qui était 7 janvier 1946, yon grève générale, qui finalement pour aller déboulonner Lescaut. Après ça, c'est la troublaille. Yon te monte un comité de salut public qui bien vite te éclaté. Il te divisé en deux camps. Yon bord où te joignent les communistes, et l'autre bord les noiristes. Il faut que nous disions que Communicio, c'est un bon jeune garçon, un bon apprenti révolutionnaire qui n'a pas gagné aucune expérience politique. Et ça n'a pas pris temps pour un pile parti communiste formé et éclaté l'un après l'autre. Les noiristes, ou plutôt les authentiques, n'ont pas formé parti politique. Ils ont commencé là même à lancer campagne du massé estimé à la présidence. C'est après ça, Daniel Fignolet, pour le former avec Dr. François Duvalier, un parti politique qui a été le mouvement ouvrier paysan. Ou tout simplement MOP. Les petits messieurs journal là où je ouais, que c'est tout bon, il a perdu contrôle mouvement. Il a été monté en gros manifestation communiste, que après que le traversé Port-au-Prince, t'as fini sous pas que le compte. Gros manifestation, ça a, t'es bail militaire, gros problème. À la vérité, mouvement petit messieurs journal là où je suis, t'es cap débouché sur une vraie révolution populaire. Si gros leaders noirs, les authentiques tant que Émile Saint-Lô et Daniel Fignolet, pas de camper en quoi? Pour dire que vous n'avez pas participé dans aucun mouvement côté au gain pour vous danser couler avec les mulâtres. Malgré tout, si M. Journal Larouche a continué à maintenir une mobilisation manche longue contre le comité exécutif militaire. Un jour, dans le finissement mois février, vous avez réussi à faire élève lycée Bétion pour la rue. Vous avez dirigé sous faculté quand vous croisez Bab Boubab avec une escouade soldat Kazen de Saline sous commandement capitaine Antonio Kebro qui l'ouvrit en bas au Comacac. Élève au point bâton pour pas chapper. Si pour un pile intellectuel noir, 46 c'est une révolution. Cependant, pour René Depestre, il y a un nom qui tape mené un mouvement, il dit qu'en 1946, c'était une situation révolutionnaire qui était finalement débouché sur une révolution. Cependant, en 46, pas de gain révolution. Au fond, si 46 te permet quelques réformes faites et quelques gains intellectuels noirs viennent occuper gros fonctions dans l'État, cependant, 46 n'a pas porté aucun gros changement dans la position de classe sociale. Yo. Et avec l'élite noire qui va venir au pouvoir, tant que l'élite mille de la lettre au pouvoir, bagay yo pas continuer à faire même genre. 46 n'a pas porté aucun grand changement. Et vrai problème, yo pas de jambes posées, ni au point de vue éducation, ni au point de vue santé, ni au point de vue travail, ni au point de vue économique pays d'Haïti. Qui donc? Bourgeois, toujours être bourgeois. Prolétaire, toujours été prolétaire. Et paysan, toujours été paysan.
élection 16 août 1946. Premier acte militaire été posé, c'est déclarer à la tête un gouvernement provisoire et immédiatement fermer la chambre. Au commencement, militaire pas de sentir à l'aise. C'est yon après l'autre groupement politique t'a formé et groupement politique t'a éclaté. T'es tellement gen bouleverse que militaire te voulait passer pouvoir par juge dans le tribunal de cassation. Tout juge t'a refusé. Après que les États-Unis te reconnaissent, yo, gouvernement militaire vient s'attirer point force. Il publie un décret électoral contre l'invité électeur pour y aller voter le 12 mai 1946 pour choisir 21 sénateurs et 37 députés. Jour élection dans tout pays, tout bagaille était passé très bien, pas de gain des ordres. Cependant, le lendemain, après le résultat de l'élection, des blousards étaient pétés dans Port-au-Prince avec au cap. Port-au-Prince, partisan Daniel Fignolet, était débordé. Les gens apprennent que le professeur a passé comme député première circonscription Port-au-Prince. La même, peuple violet, ou l'eau compresseur professeur, prend la rue. Y a le croisé bab pour bab avec une escouade soldat à la garde d'Haïti qui rentre en bas au Comacac. Si pas au prince, pas de gain, moun mouri. Cependant, pour au cap, ça était grave, et même très grave. La même, l'escouade tombé. Henri Larac, yon mis la Jevette, qui tape vive à l'étranger, courir rentrer au cap. Li dit que ses frères, docteur Rosalvo Bobo, qui te vint dire dans rêve que c'est pour le rentrer dans l'or, à le poser candidature comme sénateur, après ça pour le vin président, de façon pour le sauver le pays d'Haïti. Il fait connaître un programme politique, il est arrivé président, il pourra le créer travail dans l'ordre avec méthode. Ça n'a pas de printemps pour te pointer qui c'est premier lettre qui est dans travail, O, premier lettre qui est dans ordre, et M, premier lettre qui est dans méthode. C'est comme ça, leur coller trois lettres ça ensemble, ou vingt T-O-M, qui veut dire Tom, et la même, non, Henri Larac, t'es tout vingt changé en Tom. Comme Tom pas de passer comme sénateur pour le département du Nord, la même après au résultat élection, peuple la force est levé campé, pour y aller déchouquer et mettre du feu à Louise Effirin, qui t'est passé comme sénateur. L'armée paraît, et l'ouvre bon gens âmes sous foule là. T'es grand pile mort et en pile baissé. En fait, c'est pas une élection que le comité exécutif militaire a organisé. C'est plutôt une simple formalité. Parce que, à l'avance, 18e compagnie garde d'Haïti, qui a un bureau dans le palais national, t'es voué par le commandant chaque département militaire, liste tout député et tout sénateur que la garde d'Haïti t'a choisi et t'es voulu qu'il t'est passé. Et tout procès verbal résultat à l'élection, t'es signé la veille, joue élection. Après ça, député avec sénateur qui t'est passé, t'es réuni la chambre, en Assemblée nationale, pour voter une autre constitution. T'as gagné tellement de discussions, et comme vous voulez faire élection vite et pressée, pour choisir un nouveau président, finalement, le 12 août 1946, vous avez tout adopté une ancienne constitution qui était faite en 1932, sous président Stelio Vincent. 4 jours après, le 16 août 1946, à 10h du matin, élection était faite la Chambre. Dans tant ça, c'est pas peuple qui était contre mettre président. Élection présidentielle était faite au second degré. C'est député avec sénateur qui étaient réunis la Chambre et ont voté pour nommer un président. T'as gagné plusieurs candidats. Après de tout, c'est Dumarsais estimé qui était passé comme 31e président d'Haïti. Il faut que nous disions que t'as gagné plusieurs facteurs qui étaient joués en faveur estimé. Un, l'IPAD qu'a privé député, si Paul Magloire et Astrel Roland qui étaient commandant du département militaire d'Atibonite pas de vlé. Et si aucune élection était faite libre, fois ça, après 4 termes, estimé pas de grande chance pour te passer comme député. Parce que t'es gagné l'autre candidat à la députation qui était très populaire, qui était dépensant pile l'argent, et en plus de ça, il t'es monté tête monde verrette qu'on estimé. Il t'es reproché de ce que t'es servi tête baissée, gouvernement Vincent et gouvernement Lescaut. En plus de ça, il t'a abandonné Basli, du fait qu'il t'es monté pour au prince, à le marier avec une mulatresse. Deuxièmement, estimé t'es servi avec une fortune qu'elle t'a fait dans Fig Banane pour graisser patte en pile parlementaire et faire voter pour lui. Troisièmement, t'as gagné plusieurs supporters qui t'ont dépensé beaucoup de cob pour faire campagne estimée dans la Chambre. Quatrièmement, parlementaire en œuvre t'a refusé soutenir candidature Dr. Jean-Pierre Ismas à la présidence. Cinquièmement, c'est surtout sénateur Jean David qui, après une manœuvre politique, t'es arrivé faire Edgar Nerenuma, qui était un candidat à la présidentielle, signer un décret qui m'a dit pour Parlement réunir en assemblée constituante avant de faire élection. Moi, c'était constitution d'abord, élection après. En fait, le 12 août,
après quelques modifications, il a été remis la Constitution 1932 en vigueur. Et c'est grâce à manœuvre Jean-David Sahara, qui fait le 16 août 1946, après un deuxième tour, estimé avec 31 voix sur 58 votants, dérivé passé comme 31e président d'Haïti. Dumas est estimé 31e président d'Haïti. Immédiatement après avoir déclaré résultat élection, estimé prêté serment. Dans le discours, il commence, dans le discours que le fait, il commence par remercier députés avec sénateurs, et puis il dit, yo, l'un ami tant tout candidat, yo, nous choisit comme président, yon moun tant pour moi-même, qui pas gain non, ni qui pas sorti dans grande famille, c'est masse peuple là, nous voulons rendre hommage. Moi, pour le faire tout effort pour peuple là, gain liberté, pour travail ou protéger, pour la paix et la justice sociale blaï dans le pays. Toute vime, et dans mitan toute difficulté que nous traversons, moi t'ai toujours pensé qu'un jour m'a percé avec peuple là et pour peuple là. Moi prévois que me parle gain pour me colter avec un pile difficulté. Moi pour le faire tout ça me capable pour satisfaire tout ça peuple là attend de moi. Nous pour le travail pour libérer finance pays, faire éducation masse peuple là et organiser agriculture. Nous pour le mettre un système en place pour encourager coopérative pour terre pour enrichir grand don. Mais plutôt cultivateurs. Nous pas protéger artisans avec tout travailleur. Nous pas mettre aucun babouquette dans l'activité syndicat. Parce que nous connaissons que c'est eux qui là pour défendre droits travailleurs contre patron. Nous pas le bailler une attention spéciale à la jeunesse. Que c'est ça que la ville ou bien petite paysan en dehors. Parce que la jeunesse c'est eux qui là pour bailler nation en jarrette. Gouvernement nous sommes consacrés là. Pas commettre aucun abus. Parce que nous connaissons sa dictature. Et crime politique qu'a fait contre la vie, contre courage, contre conscience au monde et contre ton pays. Moi, prends un engagement formel pour me respecter le principe de séparation des trois pouvoirs. C'est la seule façon que le peuple a gardé le contrôle sur propre destinée. Pour ça, garder la presse, qui est le quatrième pouvoir, et qui l'a pour ouvrir genoux et rapporter sur tout ce qui a passé. Moi, je ne peux jamais me lever même sous lit, parce que je respirais. Que nous pas bien aucun honte pour nous cacher. Dans le commencement de ça, je lance un appel solennel à tous les citoyens haïtiens qui dans tout département, dans toute classe sociale et surtout dans masse peuple pour faire nous confiance. Je demande tout ça que t'adversaire hier pour nous tous venir rassembler à rebord de rapport. C'est le moment pour nous démontrer que la patrie fait pour le vivre avant et pas un lien qui est plus important que la patrie. Si nous, comme berger, nous venons tourner loup, si nous, comme gardien Kaila, nous venons tourner volet, qui a crasé, pillé, si nous refusons qu'un bel engagement, nous, c'est pour juger nous et mander nous pour nous rendre compte. Mais moi, je connais, nous pourrons marcher ensemble pour un Haïti qui est mieux, qui est fort et qui est fier. C'est désir nous. C'est là que nous voulons arriver et que bon Dieu aide nous. Après discours, estimé descendre podium, là, et là, pour bailler sénateur Max Udikou la main. Sénateur Udikou t'es refusé pour la main. Parce que avant l'élection, il t'a fait connaître si jamais estimé t'es passé comme président, la balle démission. À peine l'a sorti la chambre pour la prendre au champ, yon assassin t'es essayé poignarder président estimé. Après ça, l'a fait toute la ville et avec madame Li, il t'a pointé de homme cathédrale pour prince. Comme estimé pas un monde qui était très connu, réception dans Port-au-Prince là t'es plutôt fouette. Surtout dans le quartier côté de gain en pile partisan mob, puisque le leader yo, Daniel Fignolet tape soutenu candidature colonel Demosthène Petrus Calixte comme président, qui donc Fignolet était dans opposition contre estimé. Dans le camp bourgeois, yo, ça n'a pas de chaud non plus tout pour estimer. Comme discours de retransmettre en direct dans la radio, bourgeois n'a pas de remettre toute belle bagaille. Estimé te dit le pour le faire pour masse peuple la ville, ensemble avec paysans en dehors. Comme nous capouais. À la papote, que c'est dans le camp à ce peuple-là, que c'est dans le camp bourgeois, ça a commencé très mal pour le président estimé. Le lendemain 17 août, le président estimé fait publier un arrêté présidentiel, côté le nommé 6 secrétaires d'État. Docteur Jean-Brice Vas, secrétaire d'État des Relations extérieures et des cultes, Georges Honorat, intérieur, défense nationale et justice, Gaston Margouin, finance et économie nationale, Georges Rigaud, commerce et agriculture, Maurice Latortue, Travaux publics et travail, Daniel Fignolet, Éducation nationale et santé publique.
Premier cabinet, ça, c'était plutôt un cabinet à base large, parce que plusieurs anciens secrétaires d'État que Steve était choisi, c'était ou bien anciens candidats à la présidence, ou bien des mouns qui étaient en opposition contre lui. Dans l'après-midi, yon masse peuple vint gonfler devant palais. Le président estime paraît, dit saluer foule là. Yon petit moment après, dit disparaît. Li fait chercher chef cabinet, Roger d'Orsainville, qui a le trouvé dans une chambre, en dedans palais, à crier et à demander, mes amis, sans me parler fait pour peuple ça. Même jour, disait tout là, les monos cap levé, yon te joint pendier dans plusieurs poteaux électriques, yon grand crêpe noir en signe de deuil. Dans Port-au-Prince, en pile dans gros partisans estimés, yon te tout marché carrément à le point de job que yon te vle. Cependant, en pile dans partisans, yon te pensé que yon te roulé yon, parce que yon pas de joint job que estimé te promet yon. Estimé d'après un monde qui te connaît bien, te gon figure fermé, yon figure secret, elle était très difficile pour qu'on ait fond penser. Pourtant, peuple-là est arrivé très vite, démasqué, estimé. Et ça pas de printemps pour musicien te voué monter yon meringue qui te gagne comme refrain du Marseillais estimé ou l'aime de bon. C'est un meringue que estimé te remet en pile. Dans le bal, il te qu'on fait jouer le pouli et il te qu'on danse. Et pas de printemps pour peuple-là te vint tomber tellement d'amour pour estimé que te ballon tinon gâté et te relè le titim. Qui est ce monde qui est du Marseillais estimé? Léon du Marseillais estimé te fait verrette. Il une commune qui n'a arrondissement Saint-Marc, dans le département de la Tibonite, le 21 avril 1900. Maman te relè Florencia Massillon et papa Alciné estimé. Papa te à la fois juge de paix verrette et un grand planteur. Du Marseillais à l'école d'abord, quand il fait l'instruction chrétienne Saint-Marc. Il te perdu maman avec papa bien bonheur. Papa, avant de mourir, t'a demandé un frère, Estilus estimé, pour le voyager pour lui sur du Marseille. C'est comme ça, Estilus estimé, t'es venu pour du Marseille, plus pas son mon oncle, mais plutôt un papa. Estilus estimé était très connu dans le département de la Tibonite. D'abord comme magistrat communal Verrette, ensuite comme sénateur de la République. Après la mort Alciné, Estilus t'est retiré du Marseille dans l'école frère Saint-Marc et a inscrit plutôt dans le collège Pinchina. Toujours Saint-Marc. En 1912, après que l'été passé examen certificat d'études primaires, Estilus a l'inscrit du Marseille lycée Pétion. C'est là, dans le lycée Pétion, Port-au-Prince, que du Marseille estimé fait toute classe secondaire. Après ça, il est entré l'école de droit Port-au-Prince, côté l'été diplômé comme licencié en droit. En octobre 1920, nos jeunes estimés à travail comme assistant professeur dans le lycée Pétion. De 1922 à 1926, estimé des points promotion de assistant professeur, nous devine nommer professeur mathématiques, toujours dans le lycée Pétion. En 1926, après qu'elle t'ait écrit dans le journal Le Glaneur, un article, nos mœurs, côté elle t'ait allé toute philosophie sociale et toute philosophie politique, le président Borneau t'ait fait révoquer malhonnêtement comme professeur du lycée Pétion. Après ça, elle quittait Port-au-Prince et elle vive Saint-Marc, côté elle t'exerçait profession avocat. En 1930, du Marseille estimé te posé candidature, il te passé comme député Verrette et tal pour au prince siéger la chambre dans la 31e législature. Réélu en 1932, il était nommé estimé premier secrétaire à la chambre et le 21 février 1935, il devint président de la chambre. Le 29 novembre 1937, président Vincent nommé du Marseille estimé secrétaire d'État d'instruction publique, de l'agriculture et du travail. Non pas ça. Estimé fait merveille. L'ité font bonne réforme dans l'éducation. L'ité créé plusieurs écoles en dehors. Yon moment où elle lycée Pétion. Yon l'autre où elle l'école normale. Où elle dans salle de classe côté élève à passer examen officiel. L'y souterrain sport. L'y tout partout. L'y là, l'a observé. L'y toujours posé question. Pour gain bon jeu information. Et connaît comment bagaille a marché. Qui ça doit faire. Qui ça doit améliorer. Et ça doit changer. Comme ministre. Estimé te bail subvention en pile d'école privée. Le 23 janvier 1938, il était inauguré local musée national. C'est lui qui vient mettre l'école d'éducation physique pour préparer moniteur pour aller dans l'école yo apprendre élèves faire exercice physique et faire gros défi le 18 mai pour fêter fête drapeau et l'université. Dans date qui était 11 janvier 1941, dans chapelle palais national. Estimé qui était bien 40 ans,
t'es marié avec une jeune dame de 21 ans qui t'est relé Lucien Hurteloup. C'est président Stenio Vincent qui t'est parraine et madame Lélio Bailly, marraine Nosla. Madame Bailly, ça, c'est ton grand-cousine la mariée. Et c'est lui qui t'a l'église comme marraine à le baptiser la mariée, l'aile t'es petit bébé. Dame estimée t'es mariée avec là, c'est ton mulatresse. Il tape travail dans le ministère comme secrétaire privé, ministre estimé. Il faut que nous disions en passant que estimé était tellement d'amour pour les mulatresses que le t'es une voiture Osmobile qui était une vieille couleur marron qui te semble la couleur cuir bœuf et qui était connu dans Port-au-Prince comme le tombeau des mulatresses. Jugement ancien président Élie Lescot. Le 18 octobre 1946, deux mois après que le t'es pris pouvoir, président estimé sous pression populaire fait monter en commission de 5 membres pour enquêter sur l'administration ancien président Élie Lescot, de même que sur Abel Lacroix, qui était secrétaire d'État des Finances, Véli Thébault, qui était secrétaire d'État de l'Intérieur, et Gontran Rouzier, qui était sous-secrétaire d'État de l'Intérieur. Ils ont été dénoncés de ce qu'ils ont pris l'argent d'État et fait gargote dans bien commerçants allemands qui vivent dans le pays, hein, et que Lescot a fait mettre en prison fort national après qu'il ait déclaré l'Allemagne la guerre. Le 18 août 1947, commission d'enquête a fait un rapport par commissaire tribunal civil pour Port-au-Prince qui démontrait toute corruption qui était faite sous gouvernement Lescot. Juste instruction, après qu'il ait émis deux ordonnances, a monté une commission d'experts pour examiner tout dossier et tout livre comptabilité commerçant allemand. Après deux ans, il est obligé de suspendre toute poursuite contre Élie Lescot, Abel Lacroix et Gontran Rouzier, parce qu'il n'y a pas de jambes expert, aucun livre comptabilité, aucun document qui te permette de démasquer toute magouille qui était faite sous gouvernement Lescot. C'est pendant le jugement ça que, après toute misère, Lescot est passé pendant qu'il était en exil au Canada. Puis gros problème Lescot, c'est bail famille y manger et trouver l'argent pour chauffer caille côté le territoire. Peut-être ça, Lescot est obligé de travailler. Il était tombé fait batique. Y a un métier que t'apprends là, t'as vivre en France. Batik ça, c'est un métier côté ouvrier en France, t'es conservé avec un lacire spécial pour bailler toile couleur que vous voulez. En deux fois, en 1944 et en 1945, y ont découvert le complot que tout y était monté avec quelques agents haïtiens pour assassiner Lescot. En plus de ça, en novembre 1945, tout y ont fait publier dans le pays la traduction y ont lettre que le t'évoyé bail Lescot et côté le t'avili Lescot. Lescot ne bilait ça, par contre sale tabaye pour l'éclater tout y'a. Romulo Betancourt, président vénézuélien, que tout y'a te manqué fait assassiner tout, t'évoyé Juan Bosch, un révolutionnaire dominicain, à Lescot et Mandel pour prêter 20 000 $ pour la renverser tout y'a. Là même, Lescot prend une hypothèque de 15 000 $ sous seul calcul t'es gagné Manoir des Lauriers et fait la Banque nationale de la République d'Haïti, Balion avance de 20 000 $ cash que lui remet Juan Bosch. En juillet 1946, en exil Montréal, et comme ça fait le pas de bon, Lescot écrit Juan Bosch pour parler de la situation et Mandel pour lui remettre 20 000 $. Le 31 août, Bosch fait un transfert à 3 000 $ et non lettre, il voyait dit Lescot bien vite, il ne parle voyant un chèque de 1 000 $ pour lui. Juan Bosch était tout vague Lescot après ça. Même le Juan Bosch vint président de la Dominicanie, Lescot écrit pour Mandel payer reste 17 000 $. Juan Bosch pas de jambes occuper Lescot. Dans misère, Lescot écrit président estimé pour exposer la situation et Mandel pour le voir relique à l'agent loyer Manoir de Laurier à Pouli. Estimé te vague Lescot. Lescot après ça écrit Paul Magloire. C'est Paul Magloire qui finalement fait servir Lescot une pension de 300 $ par mois. Politique gouvernement estimé. Estimé, c'est un président qui charge avec vision. Il te voulait réaliser un pile bel bagaille pour le pays d'Haïti. À la papote, programme politique, lui, c'était premièrement séparer les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et faire en sorte que yon n'a pouvoir yon pas empiéter sur l'autre. Deuxièmement, empêcher les États-Unis continuer à maintenir contrôle sur le finance pays. Yeah. Troisièmement, quitter parti politique yon fonctionner librement. Et même permettre de critiquer Zach gouvernement. Quatrièmement, garantie liberté de la presse.
Cinquièmement, quitter syndicat ou fonctionner librement. Et sixièmement, améliorer qualité éducation et augmenter quantité l'école nationale dans le pays. Depuis 1944, café, figue, banane, et pit, qui t'a le vendre à l'étranger, te permettent un pile gros l'argent d'entrer dans le pays. En 1946, yon l'année après la Deuxième Guerre mondiale, là, t'es fini. Et même année estimée monte au pouvoir, c'était pour la première fois depuis 1804, t'es gain tout gros masse l'argent comme ça, qui t'est entré et t'a fait roulement dans l'économie pays. Comme l'élection 1946, là, t'es faite d'après une constitution qui t'est faite sous Vincent en 1932, et comme après les scores, t'es voulu que pays a gagné une autre constitution, c'est comme ça qu'ils ont formé un comité pour écrire une constitution tout neuf. Premier document qui était sorti, c'est un bon article là-dedans, tant qu'on empêchait étrangers posséder terre, ou bien venir faire commerce en Haïti, monter un clergé indigène pour venir diriger l'église catholique, légaliser le syndicat. Comme colonne article tout neuf, ça, c'est contre intérêt les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Suisse et le Vatican. Après que vous avez éliminé toute colonne article qui n'a pas fait le pays ça au plaisir, vous avez fini par bailler pays à une autre constitution le 22 novembre 1946. Estimez qu'il a prêché la réconciliation. T'es nommé deux adversaires politiques dans le premier cabinet ministériel qu'il t'a formé. Il t'a nommé Daniel Fignon-Léon Noir comme secrétaire d'État éducation nationale et Dr. Georges Rigaud Mulat comme secrétaire d'État du commerce. Bien vite, Fignolé avec Rigaud t'es venu dos à dos. Fiolet était même rivé à l'attaquer dans la radio quelques mesures que Dr. Georges Rigaud te prend, alors que tous les deux travaillent comme secrétaire d'État en dans le gouvernement estimé. Estimé était profité de gauche répite ça, t'es gagné entre Fiolet et Rigaud pour en octobre, deux mois seulement après qu'il te prend pouvoir, il renvoie toute munition et le montant au niveau cabinet ministériel. Malgré tout conseil, il va estimer pour le faire réforme dans la garde d'Haïti et mettez à la retraite colonel Franck Laveau, major Antoine Level, ensemble avec major Paul Magloire, il pas de blé. Au contraire, bien vite, il baille tous les trois promotions. L'aile nomme colonel Franck Laveau général, major Antoine Level, colonel et major Paul Magloire colonel. Et le 29 mars 1947, il fait passer une loi qui changeait le nom garde d'Haïti en l'armée d'Haïti. Les estimés réalisaient que le poil prit un gomme avec trois gros militaires, ça y est. Ils décidaient de voyer un campé loin. Il était déjà trop tard. Ils offrit Franck Laveau pour le voyer l'ambassadeur d'Haïti, Washington. Antoine Levelt, ambassadeur d'Haïti, Santiago, Chili. Et Paul Magloire, ambassadeur d'Haïti, à Paris. Ils ont tous les trois été refusés de quitter le pays. En 1935, le président Vincent a signé un contrat qu'hôtel te baille Standard Food. Yon compagnie américain, monopole pour venir acheter figue banane en Haïti. Standard Food te met comptoir dans tout pays et acheter figue directement dans mes paysans haïtiens. Ça qui est plus intéressant, c'est que te gen des années, Standard Food te convine pour en Haïti plus passer 7 millions régimes figue. C'est surtout café avec figue banane qui te pompe plus l'argent dans l'économie pays. En plus de ça, Standard Food te dépense l'argent pour réparer WAF, pour réparer Boué, pour faire route et même réparer l'école en dehors. Standard Food, c'est une grosse plantation de figues bananes dans plusieurs pays dans l'Amérique latine. Cependant, par exemple, dans toute grosse plantation, ça y est, tu arrives à faire figues qui sont de meilleure qualité que figues paysans haïtiens qui ont fait dans le jardin. En septembre 1947, les dates arrivées pour renouveler le contrat Standard Food estimé refusé. Elle t'est tout profité pour nationaliser l'industrie. Il prend tout contre eux. Elle baille 7 bons amis gouvernement concession pour que c'est eux qui viennent exporter figue banane. Pas erreur. Yo t'a embarqué premier chargement figue banane à bord quelques bâtiments grecs et quelques bâtiments panaméens qui pas bien frigidaires. Distance pour bâtiment arrive aux États-Unis. Petite figue yo t'es mûre, toute figue yo t'es pourrie. En 1948, dans moins que yon l'année, ça fait figue banane nan te fait fond. En définitive, qui moun ki te sorti plus victime, comme d'habitude, c'était paysan haïtien. Réalisation gouvernement estimé. Rêve estimé, c'est pour le dériver rapidement changer image pays.
C'est peut-être ça, même en 1946, là, à peine il monte au pouvoir, il était tombé l'ouvrir l'école la ville, tant qu'en dehors. Et c'est comme ça, de octobre 1946 à septembre 1949, il était fait bâtir en béton plus passé 40 l'école rurale. Appointement professeur à l'école en dehors, qui était seulement 70 gouttes par mois en 1946, t'es passé à 200 gouttes par mois en octobre 1948. Moins que un mois que le taux pouvoir, le 12 septembre 1946, le président estimé t'es créé lycée Faustin Souloukh, Tigouave. Le 29 septembre 1946, le gouvernement prend une loi qui consacre 10% recettes communales pour bâtir l'école. Malgré lycée Pétion t'es créé dans Port-au-Prince en 1816, cependant nous pas obligé de temps jusqu'en 1946, qui veut dire 130 ans avant que estimé vienne l'ouvrir un deuxième lycée dans la capitale là, qui c'est lycée Toussaint Louverture. Même année 1946 là, le président estimé a fait gros réparations dans plusieurs lycées dans le pays, et plus particulièrement dans le lycée des jeunes filles dans Port-au-Prince. Jusque là en Haïti, c'est très rare, jeunes filles qui ont dépassé classe brevet, et puis loin, si mademoiselle la ville qui ont arrivé, c'est soit elle fait l'école comme institutrice, fait infirmière, travaille comme commis, ou bien employé bureau, ou repasse cheveux, ou bien vigne couturière. C'est soit estimé, jeune haïtienne pour commencer à faire classe secondaire, passer examen baccalauréat, et après ça, elle a été coyo dans presque toute faculté de gagner dans Port-au-Prince. C'est ça qui parle de barrière et provoquer, depuis les ça, une véritable promotion sociale pour une grande quantité de femmes dans le pays d'Haïti. En octobre 1946, après qu'elle t'ait fini réorganiser la bibliothèque Port-au-Prince, estimé te placer commande pour un gros stock livre français qu'elle t'ait fait distribuer dans la bibliothèque dans toute grande ville. C'est estimé qu'il premier vient inaugurer le programme by boost d'études à étudiants qui diplômaient avec plus belles notes pour y aller en France à faire études plus avancées. Pour commencer, le gouvernement estimé a débattu 8 bourses. Et la France pour vous parler, c'est bien lui. Après ça, pays tant que les États-Unis, Venezuela, Mexique, Argentine, Cuba, t'es venu par une bourse d'études, ça que la cause plusieurs jeunes haïtiens, t'es qu'on a dans le pays, ça y est, elle prend plus la connaissance. Le 14 juillet 1947, gouvernement a estimé prendre une loi pour fonder École normale supérieure, pour bal professeur diplômé en sciences et en lettres, bon en formation, pour y aller faire cours dans le lycée et enseigner dans l'école secondaire privée. C'est professeur français qui était responsable direction cours dans 6 sections. À partir de 11 décembre 1947, l'État haïtien a signé un accord avec la Légation de France dans Port-au-Prince pour le gouvernement haïtien bailler une contribution de 4500 goudes pour développement et fonctionnement Institut français d'Haïti. Finalement, le 11 septembre 1947, le gouvernement prend une loi pour créer Port-au-Prince l'école polytechnique qui pourra permettre à un pile étudiant faire dans le pays à même des études en sciences appliquées. Le 8 novembre 1946, le gouvernement estimé a pris une loi pour créer l'Office national du café. Toujours en 1946, et même année estimée au pouvoir, il a décidé de rebâtir Belader. Comme le gouvernement dominicain a fait que Elias Pinias tourner en ville, et comme Belader a trouvé l'en face Elias Pinias, estimé penser l'aile reconstruite Belader, c'est va une bonne façon pour relever le prestige peuple haïtien devant Dominicain. Le 12 janvier 1947, moins passé 5 mois après le président estimé de monter au pouvoir, travail reconstruction Belader a commencé. Plan te prévoit construction de l'école, yon petite fille, yon petit garçon, yon l'hôpital, yon bureau la poste, yon bureau télégraphe, yon l'église catholique, yon presbytère côté pour mon père rété, yon club hôtel, yon terrain aviation, yon place publique et un pile belle caille moderne. Tout caillot est fait pour couvrir en tuile rouge. Comme yon te prévoit que Belader après gagne une population de 100 familles, yon te gagne pour établir une colonie agricole sur un tel état qui n'ont section qui relève Baptiste à 20 km de Belader. Yon te prévoit faire une route pour aller de Belader à Baptiste et bien chaque famille 5 hectares de terre pour faire jardin. Grâce à un groupe électrogène, ils ont installé nos rivières tout près. Belader a gagné l'électricité 24 heures par jour. Belader, c'est la première ville dans le plateau central qui a un service hydraulique côté de l'eau qui a coulé en dedans faire tuyau.
Président estimé te inauguré Belader le 28 octobre 1948. Te gen gros fête pendant 3 jours. Rive bâti en ville dans seulement 2 ans que le pouvoir. Pour estimer c'était une gros victoire politique. Comme estimé patnan dans ses coulées avec Tourillo, que fait Tourillo? Carrément, quelques semaines après inauguration, il fait fermer route qui relie Elias Pignas à Belader. Il fait diriger tout trafic entre deux pays par Jimani et Malpass. C'est une raison qui prend la cause que Belader n'a pas jamais développé. Comme on connaît, aucun gouvernement n'a pas capable fonctionner sans l'argent. Comme tu as l'argent qui était là en réserve pour payer une dette que le gouvernement haïtien t'a fait sous Borno, estimé que tu voulais servir avec fonds réserve ça. Cependant, le gouvernement haïtien n'a pas fait aucun tirage sans autorisation un conseiller fiscal que les États-Unis te mettaient pour au prince pour veiller sous finances pays. Pour débloquer la situation, estimé voyez Washington une mission de bonne volonté qui t'a gagné Gaston Margon, ingénieur François Georges, docteur Jean Price-Mas, docteur Georges Rigaud, maître Joseph Deschalles, qui est ambassadeur d'Haïti Washington, pour si gouvernement américain te cap permettre au gouvernement haïtien servi avec Margot Lajansa qui était là en réserve. Gouvernement américain pas d'accord. Estimé dans un discours déclaré que c'est un mal pour un bien. Là même, il passe un message pour le mettre peuple là au courant situation. Constantin Dumervé, qui est un musicien port de paix, composant chanté, pour demander tout peuple haïtien pour mettre tête ensemble et payer 5 millions de dollars que Haïti t'aurait été droit les États-Unis. Bien vite, c'est dans tout pays où tu as chanté ça. À partir de 27 avril 1947, le gouvernement t'a fait flotter un bon. Comme tout le monde, ouais, c'est un bon cause, immédiatement, c'est tout le pays qui t'a mobilisé. Et le 10 juillet 1947, en moins que 3 mois, plus passé 5 millions de dollars t'a rassemblé. Et le gouvernement estimé à te payer les États-Unis. Après ça, le 25 septembre 1947, la Banque nationale de la République d'Haïti s'est vint sous contrôle l'État haïtien. Toujours en 1947, l'ONU t'est servi avec Haïti dans un laboratoire pour lancer une expérience et voir comment il a privé des pays sous-développés. L'ONU t'a envoyé en Haïti une équipe experte en santé, agriculture, éducation, administration de l'État et finances. Experts ça ont été gagné koyo dans tout le pays. Après 1 an, experts ont présenté un rapport de 327 pages qui te fait 26 recommandations sur comment faire plantation, faire irrigation, comment combattre l'érosion, qui qualité mine qui est en bas des pays d'Haïti. Comment servir avec moulin avant pour bailler électricité et empêcher paysans de couper bois pour faire charbon? Comment faire élevage poisson de l'eau douce dans l'argon qui pour manger moustique et empêcher malaria gailler? Et surtout, comment poisson saillot cap vin améliorer la mangeaille et une bonne partie population pays? En pile d'un bon bel projet saillot, gouvernement est tout fourré au Nantiwa et pas de jambes exécutées. Cependant, le 29 décembre 1948, la Export-Import Bank fait une avance de 4 millions de dollars à Haïti pour commencer le travail et développement de la Tibonite. Avec plan ODVA, le gouvernement a bâti un gros barrage de l'eau pour permettre faire irrigation, développer l'agriculture et installer turbines pour balle électricité dans un bon parti pays. Cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. Le 14 juillet 1948, le gouvernement estimé après une loi pour organiser en 1949 une exposition pour fêter 200 ans depuis ville Port-au-Prince s'est fondée. Pour bâtir plan bicentenaire, qui était gagné pour le télé-haïté col de Matissan, juste arrivé devant l'hôtel de ville, le gouvernement a employé Schmidigen, qui est un compagnie ingénieur New York. En tout, bon, par gouvernement, il était prévu à 26 emplacements qui dépendent gagner pavillon du président de la République, palais La Poste, pavillon touriste, emplacement pour casino, pour salle cinéma, pour boutique, pour restaurant, palais des beaux-arts, théâtre de verdure, fontaine lumineuse et latrier. En plus de ça,
te gen emplacement qui était réservé pour pays tant que Venezuela, Cuba, la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, Guatemala, le Mexique, Chili, Canada, Costa Rica, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique et le Vatican. Comme quartier que tu choisi dans zone Fort Saint-Clair, pas de compte terrain pour bâtir tout pavillon ça yo. Gouvernement oblige employer la Compania Industrias Maritimas, une compagnie américaine qui gagne bureau Cuba pour venir draguer la mer, faire un blé et agrandir l'emplacement. C'est le 8 décembre 1949, alors que travail au pot confini, que le président estimé a inauguré bicentenaire. Cérémonie a commencé en présence du président estimé, Madame Lee, ensemble avec officiel gouvernement. L'air Monseigneur Jean, évêque Villocap, a célébré une messe pontificale. Monseigneur Le Gouaz, archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Robert, évêque Gonaïve, Monseigneur Guillot, évêque Port-de-Paix, et Monseigneur Louis Collignon, évêque Villocaille, de même que nos apostéliques là, la Dornée était là. En plus de ça, t'es gagné Monseigneur Davis, qui c'est un évêque qui était sorti Puerto Rico, t'es gagné Cardinal Arteaga et Betancourt, archevêque La Havane, que Papi XII t'es voyé dans circonstance pour représenter. Les lames la fin chanter, Cardinal Arteaga en premier, béni exposition. Après ça, c'est tout Monseigneur qui te mette ensemble et au te béni exposition. Après ça, Pape là, Pie XII, alors que le Vatican, te voyons un message que te retransmet en direct par radio. Président estimé, te fait un discours. Côté le te salue, il te remercie. Yon après l'autre, tout pays qui devine bâti pavillon, dans l'occasion ça, dans bicentenaire. Dans l'après-midi, quelques bataillons soldats haïtiens, ensemble avec soldats américains, t'es organisé un gros parade militaire pendant qu'on formation de 9 avions de guerre américains t'as volé bien bas et t'as fait l'avion dans le ciel là et t'as baillé belle exhibition. 2 jours après, le 10 décembre, à Souhait, t'as inauguré le théâtre de Verdure, côté troupe folklorique nationale, t'es baillé une belle représentation. Après ça, vient la Société nationale d'art dramatique, la SNAD, qui t'a présenté 4 pièces théâtre. Théodore Beaubrun, qui t'a baillé tête li, non. Jouette Languichade Desbordis, ensemble avec Marcel Sylvain, t'ai présenté quelques pièces comiques. T'as gagné plusieurs concerts philharmoniques. Marianne Anderson, une grande chanteuse noire américaine, dans date qui était 2 et 3 mai, t'es venu by 2 récitals, qui est en combinaison de opéra et negro spirituals. Negro spirituals, c'est chanter religieux noir américain qu'on chantait dans l'église. C'est dimanche 12 février 1950, 2 mois plus tard, que l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince te l'ouvrit officiellement. Le ça, presque tout pavillon était fin bâti. Et l'autre fois encore, il y a une grosse cérémonie. Dans Assouet, il y a été inauguré la fontaine lumineuse. C'est une fontaine qui t'a voyé en cadence de l'eau toute couleur montée dans l'air, pendant que musique classique t'a joué. Après sa présidente estimée, en saint marc Demli, t'organisons un gros bal pour toute délégation pays étrangers qui devine participer à l'exposition. C'est mardi 14 février 1950 que le dernier pavillon, qui était pavillon de la France, était inauguré. Dans l'occasion ça, la France était voyant une grosse délégation en Haïti. Et dans la souhait, ils ont tiré un bon bel feu d'artifice. Il faut que nous connaissions New York Metropolitan Museum. Tu as prêté à Haïti 32 superbes statues en bronze et en marbre, qui ont été placés plusieurs côtés en exposition. Exposition bicentenaire qui était ouverte pour seulement 6 mois, est fermée le jeudi 8 juin 1950. Malheureusement, estimé pas là. Un mois avant, le 10 mai 1950, estimé était pour un coup d'État et ont été voués en exil dans Campéloin. Faut dire dans l'époque ça, il y a une pile critique qui était soulevée contre estimé. Il a dit que la réalisation ça, c'était des dépenses somptuaires, qui veut dire c'était l'argent gâté, l'argent jeté. Elle t'a fait plus sens si estimé t'es servi à gros magot l'agent ça, pour réorganiser l'agriculture et commencer à industrialiser le pays. Dans la liste réalisation, nous faisons pour nous mentionner que le 16 février 1948, le président estimé t'es passé une loi pour créer le bureau du travail. Bureau du travail, ça, t'es là pour régler toute chirépite entre patron et travailleur. D'après la loi, ça, un patron t'est obligé, un travailleur 15 jours préavis
avant que le révoque. Loi ça a été prévu dans la section protection de la femme que une femme enceinte gagne droit à plusieurs jours congé payé avant et après le fin d'accoucher. En plus de ça, loi a été prévu que l'école nationale yo fait pour être l'ouvrir les soirs pour permettre les enfants en service qui veut dire timoun qui était kaimoun à prendre l'éducation. Enfin, dans la colonne réalisation président estimé yo faut que nous pas oublier gros bel pont suspendu qu'elle t'ait fait mettre sur la rivière Grandance dans Jérémy et qu'elle t'ait inauguré en avril 1950 juste quelques jours avant de te tomber. Comment bagay yo t'ap marché sur estimé? Y a une question que moun toujours poser mais côté estimé te joindre l'argent pour faire toute réalisation ça yo. C'est une question qui toujours été un gros secret d'état. Cependant, Téléjol n'a tant ça rapporté. Premièrement, t'es grand pile faux dollars qui t'a circulé dans le pays. Deuxièmement, y'a parlé de plusieurs jars que le gouvernement t'a trouvé. Troisièmement, y'a un monde qui dit que c'est reliquat qui t'a hérité après que le gouvernement t'a fini de payer 5 millions de dollars d'aide financière. Quatrièmement, comme c'est sous-estimé, y'a commencé à faire employer ensemble avec travailleurs, payer taxes. Et comme pour l'année fiscale 1946-1947, y'a été collecté taxes plus passé 13 millions de dollars. Des monde qui t'avait fait quoi que l'argent taxe t'ait contribué en pile dans la réalisation président estimé. Cinquièmement, président estimé t'ait fait passer une loi pour créer la régie du tabac qui était là pour contrôler la vente tout ça qui fait avec tabac, cigares, cigarettes, tabac manoc et la trier. Régie du tabac t'ait fonctionné sous contrôle direct gouvernement. Et l'argent régie a t'ait supposé servir pour faire quelques projets spéciaux gouvernement. Qui donc toute fonds régie a été collecté, pas de sous-contrôle et pas de jamais rentrer dans le budget de l'État. Sixièmement, estimé de prévoir un budget de 6 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Cependant, dans un livre Histoire peuple haïtien, dans Tess Bellegarde, écrit que près de 4 millions étaient dépensés pour bâtir bicentenaire. Tandis que d'après Time Magazine, numéro 22 février 1952, le gouvernement haïtien a casqué 26 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Et après calcul, c'est 16 millions seulement ont été joints qui étaient dépensés. Qui donc, 10 millions de dollars étaient disparus. Septièmement, Gordon Hale, un ancien attaché militaire américain à Port-au-Prince, publié ensemble avec Madame Lyon gros livre en anglais, sous l'histoire peuple haïtien. Dans le livre, ça a écrit et n'a traduit. C'est dans le milieu politique en dans l'ONU que estimé pour le découvert de nouvelles ressources. Premier vote important délégation haïtienne a été fait dans l'ONU, c'était contre l'État d'Israël. Position ça, gouvernement a été pris, après quelques commerçants syriens, t'as lagué un gros magot l'argent en dedans par les nationales. Après toute une série de manœuvres que toute organisation internationale après ça pourra l'adopter, après gros lobby que une femme journaliste juive américaine, qui était relée Edith Efron, t'est vidé sous-estimé. Estimé t'es changé bord et il t'aimant des commerçants syriens yo pour tout qu'un sac l'argent yo. Il faut que nous quoi que dernière information ça son gros information parce qu'en tant qu'attaché militaire Gordon Hale t'es gain accès à un pile document un pile gros dossier en dans ambassade américaine dans Port-au-Prince. En attendant en espéré un jour quelques historiens a vienne faire lumière sur toute source l'argent estimé t'es servi pour toute réalisation ça yo et surtout combien qui était dépensé pour chaque réalisation. En plus de ça, nous devons mentionner que en 1948 et 1949, délégation haïtienne dans l'ONU a marqué trois gros points. Premier point, délégation haïtienne a voté pour reconnaître création État d'Israël. Yon l'autre point, c'est sénateur Émile Saint-Lô, chef délégation haïtienne, a été choisi pour prononcer discours et présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, document officiel, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un troisième point, c'est même Émile Saint-Lossard qui, sans autorisation estimée, casquait vote décisif pour empêcher que l'Italie, la France et l'Angleterre éclatent et divisent en trois pays qui relaient la Libye. À cause! Yon rêve estimé
Comme nous connaissons, c'était monté rapidement yon l'élite noire. Pour ça, estimé t'es obligé de faire un gel. Et t'es gagné tellement gagote dans l'argent d'État que bien vite, moun t'es commencé à dire que c'est pas l'élite noire estimé t'es voulu monter, mais plutôt une bourgeoisie noire pour venir concurrencer la bourgeoisie mulâtre. À cause quelques noirs viennent occuper gros fonctions dans l'État, dit pas de prendre temps pour un pile dans yo te quitter madame, abandonner petite, et courir à faire union avec un mulatresse qui compte comment pour le virer l'angli, pour le dire ma chère, tu sais, ou bien monsieur, je vous en prie, et qui cabaye quelques petits moun belle coulée avec petit cheveux soi, ça peut le permettre nouveau riche sa yo, river marrer bien vite en promotion sociale et réaliser rapidement une amélioration de la race et de la classe. Cependant, tout le monde reconnaît que c'est un pile belle bagaille qui est sorti sur le gouvernement estimé. Toutes les maisons de commerce dans Port-au-Prince étaient réparées devant les magasins et ont mis des belles enseignes lumineuses que ont allumé chaque soir. À cause du centenaire, le mouvement touristique a pris un gros bourrade. C'est après ça, hôtel Tancuel Rancho et Ibo Lele pour l'ouvrir Portio. Port-au-Prince était une ville tellement belle, tellement chic, que dans les Caraïbes, les touristes qui étaient sortis en Europe et en Amérique, te compte seulement deux destinations, Port-au-Prince Haïti et La Havane Cuba. C'est sous-estimé que le pays a pu le connaître le mouvement de la Renaissance, qui a déclenché un véritable triomphe pour l'art haïtien. L'artisanat local a pu commencer à développer et la peinture haïtienne a pu monter en flèche. C'est pour la première fois que Vaudou a pu paraître en public. Tu as une grosse troupe qui a pu une belle représentation dans le folklorique et c'est depuis les tout. En pile haïtien pour commencer à comprendre et apprécier toute richesse culture pays d'Haïti. D'après quelques historiens, c'est période ça qui pour marquer commencement l'âge d'or au pays d'Haïti, qui était commencé en 1946 et pour durer juste dans finissement l'année 1956. Rapport Antourio estimé. Estimé, c'est seul président d'Haïti depuis 1936. Qui pas de jamais rencontré, ni qui pas de jamais bail accolade sous frontière avec Tourio. Esprit d'indépendance estimé te déranger Tourio. Et à la papote, Tourio te décidé d'employer tout moyen pour l'éclater estimé. Chirépit en estimé, Tourio te commencé bien vite. En 1946, seulement quelques jours après qu'estimé te monté au pouvoir, il te refusé renouveler mandat Anselmo Paulino comme ministre dominicain Port-au-Prince. Anselmo Paulino, ça, c'est ton ancien chef police secrète dominicain et bras droit Tourio. Paulino, tout d'abord, était consul dominicain au Cap. C'est là qu'il est marié avec une dame haïtienne, une capoise. Après ça, il est venu monter comme ministre dominicain pour le prince. Paulino, t'es réussi à embaucher un bon calier, qui veut dire un bon haïtien qui t'a travaillé comme espion pour le gouvernement dominicain. Espion haïtien sa yo te bay tellement bon rapport que tou yo te plus au courant de ça que t'a passé dans le pays d'Haïti que président haïtien qui chita sous chaise bourrée en dans palais national. Puisque président estime te refusé renouveler mandat Paulino, depuis le ça, tou yo pral fait tout ça le capable pour le combattre président estime. Pour ça, il commençait par bay asile politique. Et servit surtout avec deux Haïtiens qui étaient en opposition contre le gouvernement estimé. Ak premier Haïtien tout yon pral servi, c'est Astrel Roland. Astrel Roland, ça, c'est un monsieur très intelligent. Et d'après ça, l'écrit dans le livre que l'était publié, il n'y a pas de cachet que l'était un gros fanatique tout yon. Enrôlé comme simple soldat dans la garde d'Haïti, il était monté bien vite. Et le 12 mai 1946, l'élection t'a faite pour nommer député avec sénateur. Astrel Roland est commandant département militaire d'Artibonite. Astrel Roland est fait une entente avec estimé pour faire le passer comme député Verret, à condition, si Zoka estimé rivé président, pour le nommer le commandant caserne de Saline pour le prince. Comme il était suspect que Roland a conspiré, estimé est voyé Astrel Roland comme chef de la mission d'Haïti à Quito, en Équateur. Il y a une façon pour voir le campé loin. Que fait Astrel Roland? En 1948, il a tout abandonné pour lui et la jeune Tourio en Dominicanie.
Deuxième haïtien tout yo pral utilisé pour servir côté estimé, c'est Alfred Viau. Qui ça t'est passé? Alfred Viau était à la fois juge et professeur dans l'école de droit Port-au-Prince. Il était un petit garçon qui était le Gérard, qui était étudiant dans l'école de droit. À l'époque, dans l'école de droit Port-au-Prince, chaque année, étudiants qui étaient diplômés avec plus belle moyenne, automatiquement, ils étaient balayés en bourse pour aller à Paris, aller faire l'autre étude qui plus avancée. Comme en juillet 1948, c'est Gérard Viau qui était diplômé avec plus gros notes, qui donc, c'est lui qui normalement t'a pour bénéficier de bourse là. Jean-Rémy, comme gros partisan président estimé, t'es directeur imprimé de l'État et t'a publié dans le journal La République, qui était journal gouvernement et que Jean-Rémy t'a dirigé. Yon article qui pas d'accord à ce que c'est Gérard Viau qui a bénéficié de bourse ça pour aller à Paris. En passant, article ça, c'est pas Jean-Rémy qui t'écrit. Jean-Rémy t'a l'habitude de passer en voiture vers les 7h30 du matin pour imprimer de l'État. Et sans que le pas descende, il t'a qu'on penche à droite sous coussin voiture li, relais yon employé en d'imprimerie, hein, remettre li quelques papiers, quelques documents, quelques manuscrits avant que l'al dépose deux petites garçons à l'école. Yon matin, Gérard Viau al tan Jean-Rémy. L'el wel di approche voiture. À gauche, bon pot chauffeur. Il rele Jean-Rémy. Le Jean-Rémy viré pour est-ce qu'il rele là. Gérard Viau te tout l'ouvris am sous lit. Et Jean-Rémy te mouri moured. Après ça, Gérard Viau tal ren tête li nan pénitencier national. Qui te tout près local imprimé de l'État. La même, nouvelle la gaye nan tout Port-au-Prince. Les nouvelles arrivent nan palais. Président estimé furieux. Il demandait, est-ce que assassin vivant toujours? C'est comme ça. Une équipe solide te descend de pénitencier national. Et à coup de poignard, à coup de fouche, ils ont tout passé Gérard Viau à l'infinitif. Après ça, pas de ni arrestation, ni investigation, ni jugement. Et Alfred Viau, papa Gérard Viau, est obligé de courir à prendre refuge en Dominicaine. À l'occasion de l'exposition internationale que Estime est organisée pour commémorer bicentenaire Port-au-Prince, seul pays dans la zone qui pas invité, c'est la Dominicanie. Et pendant toute l'année 1949, tout yon pour le faire tout ça capable pour l'éclater estimé. L'étape manigancé ou bien faire empoisonner estimé, ou bien créer des autres dans le pays et même envahir le pays d'Haïti. C'est comme ça, à partir du 8 février 1949, tout yon a commencé à servir avec Astrel Roland et Alfred Viau pour lancer dans la Voix Dominicana, une grosse station radio qui est dans Santo Domingo. Une campagne en créole pour dénigrer, estimer et détailler tout crime gouvernement haïtien te commet. C'est jusqu'en 1954, yo vient apprendre dans les détails que plan Touyo s'était payé et armé une équipe assassin voyé en Haïti pour aller tuer colonel Paul Magloire, major Marcos Prosper, chef de la police Port-au-Prince et même président estimé. Yo te gen pour mettre du feu, brûler Port-au-Prince, incendier mission diplomatique dominicaine et c'est ça Touyota pral prend comme prétexte pour l'envahir pays d'Haïti. Fait Astrel Roland, entre Port-au-Prince et prend pouvoir. Gros complot ça a été une pile chance pour te réussir. Si ministre dominicain Port-au-Prince, ça pas tal, mettre secrétaire d'État des relations extérieures haïtien au courant. Pris en gorge, de 16 novembre à 24 décembre 1949, gouvernement haïtien présenté 7 notes protestations diplomatiques. Le 12 décembre, Touyo mandait le Congrès dominicain pour bailler plein pouvoir pour le déclarer la guerre. Washington l'a même inquiété. Et le lendemain 13 décembre, secrétaire d'État américain Dina Kesson dit bailler Touyo en pinga. Quelques jours après, comme pas de rien, Congrès dominicain bailler Touyo autorisation pour le faire la guerre. La même en Haïti, c'est la panique. Comme tout le monde attend que la Dominicaine va l'attaquer, le gouvernement haïtien invoquait le traité de Rio. Et porter plainte devant l'OEA contre la Dominicanie. Gouvernement dominicain répliquait et demandait pour yon faire examen situation globale dans toute région Caraïbes là. Après quelques semaines, l'OEA remet résultat enquête là qu'elle te mené. Enquête ça a été condamné soutien que tout yon te baille à Astrel Roland. Tout yon l'a même offri tête li pour le servir comme gendarme qui pourra le surveiller et empêcher que communiste gagne dans la région Caraïbes là. Comme récompense pour tout service que le terrain, Touyo mandé que les États-Unis tout simplement abandonnaient, estimaient, et pour pas bal aucun support.
C'est juste à la fin du mois de février 1950 que Touriot a accepté ou renoncé à appeler pouvoir que le demandait pour faire la guerre. Après ça, l'OEA, département d'État, ensemble avec Washington Post, un journal américain, te voué chaye compliment by Touriot. Go crisa, s'il te vine renforcer position Touriot, li te vine chanter l'enterrement gouvernement estimé. C'est comme ça, le 10 mai 1950, yon mois seulement après jugement l'OEA, yon coup d'État militaire te renversé estimé. Et 5 jours plus tard, le 15 mai 1950, même jour estimé te prend avion pour l'aller en exil, gouvernement dominicain te reconnaît officiellement. Il y a un conseil exécutif militaire haïtien qui a gagné général Franck Laveau, colonel Antoine Level et colonel Paul Magloire qui t'est monté au pouvoir après que tu fin basculé président estimé. Finissement gouvernement estimé. Depuis même que estimé dérive au pouvoir, il était gagné pour le colter avec une bonne force qui t'est montée contre lui. Au commencement, le gouvernement américain n'était pas estimé pour un communiste. Deuxièmement, en mars 1947, estimé pour une loi contre tout mouvement communiste qui t'a opéré dans le pays. Ça que la cause parti communiste était obligé de suspendre toute activité. Troisièmement, estimé t'es gain pour le colter avec MOP. Daniel Fignolet, comme leader MOP, t'es occupé béton en Port-au-Prince. Et le tape mène une opposition tête calée contre estimé qui t'est révoqué 2 mois seulement après que le t'es nommé le secrétaire d'État d'Éducation nationale. Quatrièmement, estimé te fait fermer 7 journaux qui t'a critiqué le gouvernement. Cinquièmement, il te fait fermer un groupe syndicat qui t'a réuni sous bannière Fédération des travailleurs haïtiens. Sixièmement, il te met baboukette dans l'activité parti politique. Septièmement, il te met sous contrôle syndicat, organisation travailleurs et mouvement étudiant. Huitièmement, estimé te gain pour le colter avec président dominicain Touriot. Neuvièmement, groupe encore qui t'a monté contre-estimé. C'est Mulatio qui, après 31 ans, t'a perdu presque toute influence sur tes gains dans la politique pays. Dixièmement, estimé tes gains contre la bourgeoisie. Onzièmement, estimé tes gains pour le colter avec l'église catholique. C'est comme ça qu'il t'a fait fermer l'action sociale, un journal catholique. Il t'a fait expulser Père Foisset, un père français, qui t'a écrit plusieurs articles pour dénoncer l'influence que vaudou vient gagner dans la politique pays d'Haïti. Et yon nan faiblesse estimée, c'est qu'elle t'est montée au pouvoir sans que le pas de bon parti politique bien structuré et sans que le pas de bon base populaire. Et finalement, douzièmement, plusieurs politiciens et quelques jeunes officiers l'armée d'Haïti t'ont mis de gros pression sur Paul Magloire pour le renverser estimé et prendre pouvoir. C'est tout élément ça, yo, et un pilote qui finalement prend la cause du renversement estimé. C'est à partir de mois juillet 1949 que des gringolades estimées commençaient. L'aile sortit pour faire la chambre changer quelques articles dans la Constitution, hein? Et surtout article qui dit que les mandats au président fini, il n'est pas capable d'aller. Faut quand même quitter le pouvoir. En novembre 1949, une grève générale t'est déclenchée dans tout le pays. Estimé t'est fait fermer 7 journaux et toute partie politique qui t'a affilié à journal ça. Deux chambres y ont réuni le 18 avril 1950. Les sages, un groupe sénateur qui te représentait la majorité dans le Sénat et qui te contestimait, te voté en bloc contre une résolution que la Chambre des députés t'a passée pour changer quelques articles qu'estimait te faire changer dans la Constitution. Pendant plusieurs jours, tension t'a monté, l'armée t'a en condition D et sénateur dissident yo t'a été ferme sous position yo. Finalement, le 8 mai, le matin, quelques agents commandés t'ont envahi ma chevalière. Yo t'a tiré en l'air. Et au tape crié à bas estimé, vive la révolution. Yon groupe agent qui te sorti dans le département de l'intérieur, te couru rentrer ma chevalière, et yon te oué manifestant yon. Pendant que même yon tape crié, vive estimé, vive la réélection. Après ça, yon masse peuple prend la rue, et yon tal envahi chambre sénat, yon crasé, yon brisé, et yon jeté dans la rue, tout ça yon joigne en dans chambre sénat. Dans la soirée, le président estimé de fond discours dans la radio pour complimenter supporter yo. Il dit yo que ça montrait yo gagne en maturité politique et yo voulait participer directement dans sa pays. Le lendemain 9 mai dans matin, après que le défi consulté avec ministre yo, estimé réuni état-major la mer, il dit yo que le décidé renvoyer tout sénateur yo.
Pour ça, il a besoin de concours l'armée. Il a demandé à chaque officier, un après l'autre, pour faire opinion librement. Il a tout dit que d'accord, sauf colonel Paul Magloire et major Marques Prosper, qui était commandant de la police pour le prince. Comme c'est seulement deux membres d'état-major qui pas d'accord, estimé la même, décidé de prendre arrêté pour envoyer tout sénateur. Dans l'après-midi, estimé campé en dernière voiture décapotable, il fait dans mi-temps général Franck Laveau et colonel Paul Magloire qui était chita derrière. Yon à droite, yon à gauche, en dans voiture, yon grand tourné dans Port-au-Prince. Foul te campé de bord. Dans toute la rue, yon tap bat bravo et yon tap prélé vive estimé. Après ça, dans moins de 24 heures, la médaille d'Haïti pral fait un coup d'état et renverser estimé. Messager à Boyer, yon officier médical rapporté dans Némini qui se titre yon livre que l'écrit, côté le détaillé tout ça qui est passé devant en la caserne des Salines. Dans la soirée, Magloire réunit tout officier caserne des Salines. Yo, il dit yo que le saut écrit la démission parce que n'y pas senti le cap continuer servir un chef d'État que le pas d'accord politique li. Cependant, avant de voir l'être là, le président estimé, il tient à ce qu'elle mette au courant. Tout officier a protesté et a demandé Magloire pour le considérer la décision. Là même, il y a un groupe jeune officier qui t'a mené question. Il dit Magloire, colonel, c'est mot nous obtenons, président estimé déjà prisonnier dans le palais national. Il a fait chercher chef d'état-major, général Franck Laveau, qui acceptait à l'ouel en nuit la même estimée. Estimé t'a dormi. Il a réveillé. Laveau mettait le coup en situation. Il fait Laveau comprendre que le pas a intention de révoquer Magloire. Il bail Laveau une lettre côté le voyait dit Magloire, que le toujours fait confiance. Magloire pas trouvé lettre ça compte. Il fait Laveau retourner encore à l'ouel estimé et à demander pour l'annuler, arrêter que le tout préparé pour révoquer sénateur. Estimé voyant deuxième lettre bail Magloire, autorisé pour le prendre livraison numéro journal le moniteur qui était imprimé, arrêté. Que estime tes points pour envoyer sénateur. Il y a le point tout paquet journal le moniteur et la nuit la même, il était brûlé tout journal yo en dans la cour caserne de Salines. Quand y a nous arrivé dans la matinée du 10 mai 1950. Grand matin. En dans caserne de Salines. Il y a un roulement de tambour éclairant son nez. Tout soldat réveillé et bataillon mettait le sous pied de guerre. Là même Paul Magloire prend la commandement. Il dit que le connaît que le trahit. Et que François Duvalier, qui est ministre dans le gouvernement estimé, t'est déjà passé ou bien le pral passé à l'action. Pays, ensemble avec toute l'armée a menacé. Il faut que nous débarrasser pays d'estimé qui vignon élément dangereux. Et il sentit que lui-même vit pâle menacé. Vers 10h du matin, au état-major formé en délégation qui quittait caserne de Salines et allé au palais national, exigeait estimé pour le bal d'émission. D'après l'histoire, général Laveau et major Marques Prosper n'ont pas d'accord pour coup d'état. Estimé, fait Joseph L. Desjean, écrit la démission. Ils ont tiré tout coup et le signal. Après ça, militaire dit estimé que Arvin Chechel dans 12 heures de temps. La même, l'armée fait publier une proclamation pour informer la population que le président estimé ayant perdu le contrôle des événements, il va le démissionner. Et pour diriger le pays, la mer a monté une junte militaire de 3 membres qui gagne général Franck Laveau président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Il faut que nous voyons que ces mêmes 3 militaires saillants qui étaient point pouvoir étaient dirigés pays après qu'ils aient déboulonné l'ESCO. Exactement à 10h du soir, ils ont embarqué estimé Madame Ni ensemble avec toute petite li à bord quelques voitures par les nationales et ont mené au tout caille major Marques Prosper. Chef la police Port-au-Prince, côté au pral gardé en résidence surveillée pendant 5 jours. Exil et la mort du Marseille estimé. Nan du Marseille estimé, dialogue avec mes souvenirs, yon livre que madame estimé publié, li rapportait que 5 jours après coup d'état, le 15 mai 1950, li était minuit passé, Léo Vincheche estimé, lui-même, ensemble avec 3 petits yo, pour mener sur un terrain d'aviation qui était relé dans temps ça, Boeingfield. Vers 3h du matin, Paul Magloire paraît. Il claquait à l'onle, il mettait le garde à vous, il saluait estimé militairement.
estimé répondre ça à lui. Li bail estimé la main. Et sans que yo pas arraché yon mot, Magla kake talon encore et le viré d'ol. Après ça, yo embarqué au tout à bord yon avion militaire haïtien. Après yon escale que avion te fait Tampa en Floride, finalement yo te arrivé New York vers midi. Même jour, Madame estimé tal déposé dans Chase Manhattan Bank New York, yon valeur de $70,000. Ça te représente tout ça au te gagné comme économie. Yon cob qui parle camarade $6,000,000 que dans pays ya. Télé Jol te fait courir bruit que estimé te prendre en caisse l'état avant le parti. Si vous ajoutez yon pension $300 par mois que estimé te recevoir de gouvernement haïtien, c'est tout ça estimé ensemble avec toute famille te gagné pour vivre en exil. Yo te passé 5 jours New York. Le 21 mai, ils ont embarqué à bord d'un bâtiment touriste, nous Amsterdam, qui t'a déposé dans un port qui est le Havre, dans le pays de la France. Après ça, ils ont pris un train qui finalement t'a mené à Paris. Finissement janvier 1951, estimé décidé de quitter Paris pour aller vivre à la Jamaïque. Il y a une façon pour le piper la caille. Il est arrivé à Kingston, à bord d'un bâtiment qui est la Colombie. Ils n'ont pas quitté ou descendre tout de suite, parce que le gouvernement haïtien, qui croit que estimé trop près là, à la Jamaïque, il a représenté une menace et voyait un agent à le camper sous waf là pour prendre estimé. Situation a devenu tellement chaud que ce premier ministre jamaïcain, Bustamante, lui-même, qui est obligé de déplacer avec une forte escorte et vient personnellement chercher estimé et à le déposer tout dans l'hôtel côté haute sécurité. Après un an que vous passez à la Jamaïque, estimé ensemble avec toute famille, vous retournez à Paris dans le commencement de l'année 1952. Après quelques temps, estimé Madame Lee, vous avez laissé deux grands garçons, Jean-Robert et Philippe, à Paris. Et avec dernier Tifia Marie-Florence, vous avez décidé à l'habiter Manhattan, New York. À cause de discrimination raciale qui existait à New York dans l'époque, c'est après un pile déception. En janvier 1953, il a défini par un appartement de chambres à coucher dans le 17e étage dans un hôtel Manhattan qui était le Beacon Hotel. En mars 1953, Madame Estimé font l'autre petite fille dans le Presbyterian Hospital dans Manhattan, New York. Comme non, il a décidé de les petits bébés à Régine Joseph Exilienne Estimé. Les nouvelles arrivent en Haïti, c'est pas deux paroles en pile qui étaient faites sous nom Exilienne, ça. Yo dit que comme son petit monde qui fait en exil, c'est peut-être ça qu'il a choisi non exilienne pour les petits bébés. À la vérité, c'est pas de ça. Madame Estimé a choisi non exilienne en mémoire de arrière-grand-père qui était relé exilien Hurtelou, qui était quimbé comme journaliste, un correspondant serré avec un grand écrivain français qui était relé Victor Hugo sous question abolition esclavage en 1860. Après naissance de bébé, on a changé de caille et on a invité dans un grand appartement dans Franconia Hotel, toujours Manhattan, New York. Dans le mois de juillet 1953, estimé te lever le matin avec rien bloqué. Madame Lee te fait interner dans le Medical Center, dans l'hôpital New York, côté estimé te qu'on a le docteur parce qu'elle te souffre de tension. Comme diagnostic, médecin a dit qu'il te fait une grosse crise urémie. Pour estimer ça pas durer longtemps. Il était mort le 20 juillet 1953 à 8h30 du matin. La même, en Haïti, bruit couru que c'est Paul Magloire qui t'a voyé empoisonner estimé. C'est une accusation qui pas quimbé. Parce que dans le livre que madame estimé publié, pas aucun côté lui rapportait que estimé était mort empoisonné. Yo t'es rentré avec cadavre là en Haïti le 1er août 1953. Famille l'a refusé toute aide que gouvernement Magloire devait bailler. Yo t'es exposé cadavre estimé dans le palais législatif qui est dans le bicentenaire et yo t'es bail funéraire national et officiel le 3 août 1953. Le 22 novembre 1968, président François Duvalier t'es fait déterrer ossements estimés et t'as placé dans un bel mausolée à colonne tout près de la baie de Port-au-Prince. Pour nous finir, faut que nous disions que les haïtiens qui reconnaissent Dumas ses estimés,
comme un président qui était chargé avec vision et un grand chef d'État qui était passé au pouvoir en Haïti.